Bon, là, je vais m'adresser particulièrement avec tout le respect que j'ai. Que Ong a pour toi, grand frère Malox. Malox le Viber. Malox le Viber. Mm. Je me souviens quand il fréquentait à Grimby au lycée. Tu étais passé dans la voiture comme ça, puis tu avais un concert à faire. Il courait derrière la voiture. Donc tu sens qu'il y a le respect pour toi, Bic. Beaucoup de respect aussi. Voilà. Maintenant, nous sommes arrivés à un niveau où on a aussi des obligations dans la culture camerounaise. Ça veut dire que si moi aussi j'ai fait un son comme ça, ça peut donner de la force. L'exemple, c'est moi, on a fait une vidéo, madame et moi, pour demander aux grands frères, aux artistes de nous sortir un son de décembre. Il y a eu des réponses. Parfait. Merci beaucoup. On peut avoir la parole. Oui, ça veut dire qu'on peut quand même prendre la parole. Grand, il tient encore, il te respecte. Mais je pense qu'il est l'heure de parler un peu. Vraiment. Grand Malos, tu as dit que tu allais sortir le remix avec 5 grosses têtes. 5 grosses têtes. Oui, bon, je ne sais pas déjà s'il y a les 5 grosses têtes à l'intérieur du remix. Ou alors ils ne sont pas là. Je ne sais pas si chacun voulait jouer, taper les mimbas, raison pour laquelle tu as fait le son seul. Ou alors peut-être toi tu as décidé de faire le son seul. Moi je ne sais pas. Le Cameroun est toujours bizarre. Il ne vise personne. Forcément, il y a un problème. Il y a quelqu'un qui a tort. Forcément. Ce n'est pas ça le problème. Le petit remix que tu as sorti là, quand il dit petit remix, il dit la petite partie là. Ça mène. Oui. Ça nous donne envie de danser. Avec ta voix là encore grand. Quand tu tapes les deux manières là, c'est la magie. Voilà. Mais il y a un problème. Si nous on n'a pas fait des vidéos depuis sur ça. Ces personnes voient qu'il y a un problème sur, ça, sur le son là. Pas problème, très grand. Et ce que vous êtes en train de faire, vous les grands frères, ça nous salit aux yeux du monde. Moi j'ai mal de faire cette vidéo parce que les Ivoiriens vont voir. Même comme ils connaissent déjà parce que vous avez monté l'exemple. En fait. Toi tu as dit que tu vas sortir le son et tu avais même déjà sorti le petit remix là. Maintenant le manager de Prince Aimé a dit que aucun remix n'est autorisé. Alors que toi tu nous as dit que tu vas sortir le son. Non, on attend le son. Non, on attend depuis. Le son ne sort pas vraiment. Le manager du propriétaire dit que le son ne va pas sortir. Ça, vous jouez à quoi donc? Comment? Nous on fait comment? On attend la fin. Nous on veut danser, on a un objectif, on a un objectif à atteindre, soit 6 millions ou 10 millions de vues en 24 heures. Et danser en décembre. Et danser en décembre. Le son que tu as fait à l'Oremis dans ton camp, c'est la magie. Oui. Mais si on n'a pas encore dansé sur ça, c'est parce que nous on voit que c'est divisé comme ça. Ouais, on veut, on veut un seul son qu'on va pousser nous tous, avec tous les artistes. Et si l'Oremis même que tu vas sortir la grande, que le grand frère là, le manager l'a validé, que les autres artistes là ne mettent pas en statut ou bien ne font pas les TikTok sur ça, même vous allez voir comment le Cameroun est divisé. Oui. Et si ce n'est pas le son là, le remix la gang, on choisit nous tous un son. Ou bien toi, entre autres, tu fais un son grand. Toi, tu connais tes sons que tu fais souvent là. Quand tu peux laisser Viviane, va se reposer. Tu connais tes sons que tu connais tes sons que tu fais souvent la gang, tu es souvent embêté. Ça sort. Donc gang. Pardon. Si on fait cette vidéo, c'est parce qu'on avait vraiment envie de parler. Ouais. Tu as vu les vidéos, je ne sais pas. Tu as vu les vidéos, comment les gars sont après, avec les ordinateurs comme ça. Alignés, ils ont récupéré le son des Daphné, ils t'ont montré. Il y a au moins 15 ordinateurs en train de visionner le clip comme ça. Nous tous, nous sommes prêts, les créateurs de contenu, on a un groupe, nous sommes prêts, grand. Si le son la sort, nous on va pousser. Mais on ne peut plus faire. Tu as forcément vu les challenges se sont arrêtés. Parce qu'on a vu le manager de Prince Aimé a dit qu'aucun remix n'est autorisé. Lui il est du côté Nigeria. Enfin, je sais pas, vous entendre dans le pays là. Comme entendez-vous au moins pour une fois. Une réunion, je sais pas, vous essayez de vous entendre. Est-ce que vous avez besoin de mettre ça sur Facebook? Par exemple, le manager de Prince Aimé t'aurait dû appeler Malos pour dire ah, je veux pas que le son sorte aujourd'hui. Mais mettre ça sur Facebook, ça fait en sorte que les gens voient ça ailleurs et on voit que nous sommes divisés. On voit que nous sommes divisés. C'est synchro dans d'autres choses. C'est pas normal. Ce n'est pas normal, grand. Donc ne pas passer cette vidéo si mal. Nous, en tant que t'es petit, on n'a pas envie de parler. Le Mutumbu que tu as sorti là, c'est bien dansant. Mais entendez-vous, s'ils disent là-bas que ça ne va pas sortir, non, laisse-les avec grand. On va mettre ça sur Facebook. Pardon, essayons d'échanger les règles de nos pays. De on s'entend, on met un son. On donne 10 millions de vues, bien 6 millions de vues en 24 heures. Peu importe le son. Non, on a dit peu importe le son, peu importe l'artiste. C'est pas forcément Viviane, c'est pas forcément Malheur, c'est pas forcément Ténor, c'est pas forcément Kossi. Peu importe l'artiste. Même si c'est un artiste qui n'est pas reconnu, si on sort actuellement, peut faire du bruit, nous on va pousser. On est là pour donner la force. On s'est décidé, c'est même tout ce que c'est le son, c'est qu'on met avec. C'est fini. On va pousser. Laissez les trucs que chacun veut sortir sa part de son côté là-bas. On va faire pour qui, on va laisser pour qui. C'est comme ça que les Camerounais sont malheureux. Pourquoi? Pourquoi? Il faut que ça change. Ou même pour une fois, choisissons un son que tout le monde va poster. Tous les artistes aussi vont faire les TikTok. Ils vont pas vouloir. Mais je pense qu'après, il me dit même que c'est même la période ici qu'on va vraiment voir si nous sommes soudés ou pas. Et dès que cette période va passer, on va voir vraiment. Tu vas me voir comme ça là, dès que Malheur va sortir le son, tel match que je ne poste pas, dès que tel va poster le son, tel match que je ne fais pas ça, parce qu'il ne veut pas voir son pas avancer. Bon, grand frère Malheur. Essayez d'être unis. Grand frère Malheur. Et le manager de Prince Aimé. Moi, il parlait parce que vous aurez besoin de nous en tant que créateurs de contenu pour faire les TikTok, tout ça. Après, nous aussi, c'est notre avis à nous. Donc, oui, bon, c'est notre avis. Vous n'êtes pas obligé de prendre la porte, je veux dire. Vous avez même 2 jours pour vous décider. Le manager de Prince Aimé, si vous vous êtes entendu avec Malox, fais-nous un post sur Facebook où tu dis que c'est déjà bon. Nous, on va bombarder les TikTok sur le challenge là. Pourquoi vous nous mettez dans les problèmes? Et poster la vidéo sur YouTube, on met maintenant les vues dessus. Le son gêné, vous croyez qu'il y a eu combien de reprises sur ça avant de commencer à faire les TikTok? Nous, on allons perdre le temps avant de commencer à sortir le clip. Nous, on allons perdre le temps à l'heure si le petit du Malox devait être même dans les 200 000 reprises. Donc vous avez 2 jours et nous sommes quand?
Nous sommes jeudi. Parce que vous aimez nous insulter, que quand les sons sortent, on ne donne pas la force. Vous nous insultez. Nous aussi, maintenant, on vous dit que vous avez deux jours pour vous décider. On va donner la force alors. Vous ne vous demandez rien. Vous avez sorti un son, on va donner la force. Vous avez deux jours pour vous décider si c'est le remix de Maroc, c'est là qu'on va danser. Maintenant, si vous ne donnez pas, nous, en tant que créateurs de contenu, on va chercher un artiste, même si on va aller devant sa porte. Fais-nous un truc. Fais-nous le truc, tu vas sortir. Peu importe comment ça va sortir, on va danser ça et c'est ça qu'on va pousser. Au moins pour une fois montrer que nous sommes unis. Moi j'ai mal de faire cette vidéo parce que les Ivoiriens vont voir que nous ne sommes pas soudés. Mais ils connaissent déjà. Parce que Maroc a dit là-bas qu'il va sortir. Le manager du prince a dit là-bas qu'il ne va pas sortir pour finir sa partie en qui. En fait. Il dit qu'il est en train de faire le remix avec Yemi Alade. Après on voit encore il est en train de faire le remix avec Yemi Alade et de Bordeaux. Pour finir, vous nous amenez où? Vous nous amenez où? Donc grand frère Maroc, avec tout le respect que nous on a pour toi, Bing, ne prends pas cette vidéo mal. Mais nous on veut danser. C'est tout ce que nous on vous a dit depuis le début. Donc pardon. Si on a parlé un haut ici qui t'abaisse, nous on s'excuse, Bing. Voici votre passerelle vers l'excellence en informatique et cybersécurité. Hightech Training Institute. Vous êtes administrateur réseau, ingénieur réseau, technicien réseau ou toute personne désireuse d'approfondir ses connaissances en réseautique, HTTI vous offre cette opportunité exceptionnelle. Faites partie de la prochaine vague des inscrits et obtenez vos certifications au bout de 6 mois seulement à des prix très abordables. Tout ceci dans un cadre bien outillé, grâce aux formateurs chevronnés et à un laboratoire à la pointe de la technologie pour un apprentissage pratique. Hightech Training Institute est situé à Yaoundé au Foundimol, téléphone 695 87 35 42. Email info@htti.net, site web www.htti.net. Hightech Training Institute. Knowledge is power.